Allez, ça vous allez bien. Ici, on arrive sur du One Piece de Infinity Studio, Diorama, Luffy contre Magellan. Voilà, grosse scène durant l'épisode Marineford. Statue comme oublié, on a commencé. Et, ouais. Alors la statue avait été teasée il y a déjà pas mal de temps et elle est passée inaperçue. C'est quand nous, on a eu la facture de dire bonjour, dans ça pour vous, c'est fait. Ah ouais, bon, je m'en souvenais même pas. Mes gens m'en souvenaient pas du tout, personne m'en parlait. Il n'y avait aucune info, les groupes, machin, personne n'en parlait. Donc, une belle surprise quand elle est arrivée. Donc ici, on est sur une statue en full résine et qui une sacrée envergure. On est sur la Diorama, alors une échelle. Ah, pas à 6. Plus petit, à 8ème ? À 8 ? Encore plus petit ? Je sais pas. À 8 ou à 9 ? C'est pas à 10, c'est sûr. Luffy est beaucoup plus grand là, donc on est sur du A7, j'irai moi. Ouais, plus ou moins. Ça. Donc voilà. Le diorama est assez dingue, puisque là on voit Luffy qui est en train de taper dans Magellan et le faire reculer. Alors que pour lui, il a une grosse énergie visqueuse et reluisante. C'est, non, c'est pas une énergie, c'est ça. Un... Son aura ? Son pouvoir. Non, c'est son pouvoir. Et réellement, on dirait le même pouvoir que Kaido. Rien à voir. Kaido, notre level. Ouais, là, ça peut être la même chose, tu vois. Non. Ok, d'accord. Je sais pas, peut-être que ce sont pas de la one. C'est du c'est poison de mémoire. Ouais. Ça date, je suis au tome 105, ça date du tome 50. C'est bon. 50 tomes plus tard, c'est un peu compliqué. Donc, on va commencer justement sur ce fameux Magellan. Tout d'abord, sa finition en elle-même. On a un effet très faux cuir en résine qui est donné sur les ailes ainsi que sur sa veste. Alors, c'est déjà super. Plus texturé cool. Sur la veste que sur les ailes. Ouais. Donc, c'est vraiment cool. Beau travail, justement, avec ses uniformes, justement, de. Chef de prison. Ouais, il est très beau. Il y a juste le fait qu'il ait jointure comme ça, etc. au niveau des vêtements est bien caché par justement la couture. On a ce côté très balèze, il est énorme. C'est ça que il est géant. Ouais, mais ce qui me défonce dans One Piece, c'est ça. Tu veux dire à quel moment. Comment sa mère a pu l'enfanter ? Luffy, je comprends, mais ça, comment tu sens ça ? Allemand. C'est une explication. Bah ouais. Que je le jour où j'ai appris que Barbe Blanche faisait ça avec Maître, je me suis fait waouh. Pourtant, comme Kaido aussi, monsieur. Bah, quand tu le vois enfin, il mesure la taille d'un enfant classique, quasi, tu vois. Donc tu te fais, ça va. C'est joli. Il y a une courbe qui a quelqu'un par quatre. Il y a un moment. Dans One Piece, un moment, quand t'as 12 ans, ça fait. Bah, je crois que nous, à 25 ans, on a hâte de grandir. Je crois que eux, à 25 ans, il y a un pic de croissance. Ouais, 25 à 35, ça fait le double, tu vois. Ça double, tout. Au moment, ouais. Tant qu'il y a allé jusqu'au. Mais que dans les méchants, il n'y a aucun gentil qui est malaise. Mais si, Barbe Blanche est gentil. Gentil ? Mais Barbe Blanche, c'est pas méchant. Sérieux ? Il est là pour la paix, théoriquement. Putain, la révélation de l'année. Mais Luffy, il est pas méchant non plus. Il mesure pas encore 3 mètres. Pas encore. À tout moment, à la fin, il mesure 4 mètres et demi. Tu te... Oden est pas méchant, pourtant, il mesure 3 mètres et demi. Ah, mais en plus, t'es en versus contre Zoro, moi, je comprends plus. Il peut pas s'être rencontré en plus. Ah, mais dans le passé, il est mort. On reste sur Magellan, qui est anormalement grand. Très beau travail encore une fois sur le costume complet. Alors on a sa morphologie justement très particulière de One Piece puisqu'on a vraiment des épaules très larges, un bassin très large et des tout petits pieds, toutes petites jambes, genre une chaussure de. Ses chaussures sont la taille de Luffy. Hein. Quasiment. C'est un truc de fou. Je te dis même pas l'équilibre. Mais super bien, très textueux au niveau du pantalon. On peut apercevoir vraiment qu'il y a vraiment toutes des lignes qui sont très marquées pour faire vraiment un vêtement très ample et très lourd. Ça c'est vraiment chouette. Ses deux mains, métallisées, justement avec ce bleu qui rappelle un côté un peu cyborg. Qu'on peut avoir très beau travail, franchement j'aime beaucoup. Et puis ensuite, on a ce sur la boum, main, dos de la main, ce côté métallisé encore une fois, mais là argenté, beau aussi avec ces deux petits points noirs, sourire, je sais pas ce que c'est. On revient sur un visage, alors ce qui est vraiment cool. On a sur son expression faciale très animation, donc c'est vraiment typé de l'animé, mais on voit la détresse du fait qu'il vient de se faire taper très fort dans le sternum. Parce que là, son visage est bien marqué, il y a sa dentition, sa peau, etc. Mais surtout, son expression est quand même littéralement bien représentée dans la statue, puisqu'on voit vraiment le gars qui vient de se manger une patate et qui recule. Et là, franchement, c'est bien fait. Ils ont bien géré le mix du personnage avec ses cornes, etc. Franchement, c'est un beau visage. En plus, avec la représentation justement du cou et tout, franchement, c'est bien travaillé. Alors ça c'est Magellan classique, mais il est recouvert de cette fameuse aura poison. Bon, on passe là-dessus. Alors là on est vraiment sur de la résine translucide avec ce dégradé de mauve rose à certains endroits et un peu pailleté à certains endroits. Ouais. Sachez que les paillettes c'est fini à partir de maintenant. On ne peut plus produire de paillettes. Donc c'est une statue très rare. Consommation d'autres plastiques. Donc du coup paillettes c'est fini de retrouver une poison. Donc mon gars. Mais où tu vois des paillettes? Il y a des légères paillettes à certains endroits, tu vois pas? Non. Si. C'est moi qui joue. Non, si, regarde, viens voir. C'est légèrement pailleté à certains endroits. Si. Léger, hein, c'est. Je dis pas. C'est moi qui fume. Hein, bah,
J'ai une très bonne vue et la tienne, je sais très bien qu'elle est pas aussi bonne que la mienne. Non, apparemment, si j'ai évolué en X-Men, mec. Ils m'ont dit que j'ai plus besoin de lunettes. Bon, sérieux? Ouais, c'est ce qu'ils m'ont dit. Bon, je les crois pas, mais j'ai dit ok. Donc, non seulement t'es asthmatique, t'as pas eu de Covid, et t'as un problème de yeux avant le Covid, hein, t'as plus des problèmes de yeux. Le Covid m'a bienvenue dans les mutants, félicitations. Merci. Bon, voilà. Tout ça pour dire que l'effet pailleté est. Chacun son point de vue. Je vois pas de pailleté, mais c'est pas grave. Mais pas paillette. En fait, non, c'est pas pailleté. Il y a pas de paillette, mais il y a dégradé de bleu. Ah oui, je vois, ok. Tu vois, non. Il y a une couche, il y a une couche de. Ouais, ok, là, je vois la couche, là, je la vois. Mais c'est très, 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 très infime, ouais. Mais c'est pas. Ouais, ça a des effets pailletés. C'est pas pailleté. Que mes yeux sont bionnés. Non, c'est je bon. Je vois, mon gars, au microscope. Oh punaise, ouais, mais ça se voit jamais. Même quand je filme en détail, les gens le verront pas. Ouais, moi, je le vois. Okay. Tu vois, X-Men. Je vois les choses. T'as commencé, V? Non, pas encore. Je peux pas faire de référence. Donc là, bon, encore une fois, ce slime poisson est vraiment intéressant. Tout d'abord, il est vraiment accroché et déborde de Magellan, déborde sur le socle et surtout forme une partie du socle à l'arrière où on a. Oh, pourquoi t'es deux dragons? Je sais plus là. Mais t'es fan de One Piece. Ouais, mais il y en a un donné en fait. Il y en a, je pense qu'ils regardent que ça, ils écoutent que ça parce qu'ils se souviennent de moins d'autres trucs du premier épisode. Ok, ouais. Bon, c'est... ça, je peux le comprendre, le premier épisode. Mais après, au milieu, les gars, on a vécu, là on sort en face de Wano, célébrons en face de cette fin. Donc voilà, super intéressant comme travail, c'est super cool et ça donne beaucoup de couleur à la statue, en sachant que c'est dans un endroit très sombre à la base, dans la prison. Oui, c'est la prison. Sur le flanc gauche, on a cette grande colonne de pierre, super bien travaillée, très dynamique dans le sens qu'elle est en train d'accompagner le mouvement de Magellan, puisqu'il est en train de se faire rétamer par Luffy, et bien elle commence à se casser et elle est un peu brisée, un peu vieillie, etc. Mais la texture est vraiment cool. Le socle, je pareil. C'est un très beau travail, justement, ces pierres brisées, ça rappelle vraiment ce côté prison qui est tout en pierre. En plus de ça, voilà, il y a le pouvoir de Magellan qui est autour de lui, plus les effets d'énergie et de chaleur qu'il y a sur de Luffy, donc c'est propre aussi. Donc, avec ce dégradé de gris plus de orangé pour rappeler la chaleur, donc c'est cool. C'est vrai que c'est bien stipulé pour les couleurs, juste dommage c'est que le mauve n'est pas accentué. Le mauve, en fait, c'est juste de l'énergie, mais qui n'est même pas. C'est pas une énergie qui. Oui, non, parce que c'est vraiment comme de la morve. Ok. C'est présent, c'est okay. Là. Et si tellement ça touche Luffy, il est empoisonné. Et okay. Bien. Super cool. Bon, je pense que c'est bien fait. L'émanation blanche accompagne Magellan en dessous et derrière Luffy, vraiment cet effet d'énergie qui est expulsé. On a ça aussi chez Tsume quand il veut s'amener du vent ou quelque chose qui est puissant et qui part rapidement. C'est très beau. Légèrement texturé, c'est impressionnant. Ouais, un petit peu, ouais. Mais franchement, c'est propre. C'est propre. Il y a peut-être même des pets si vous êtes attentif. Non, voilà, celle de Luffy est donc à côté orangé comme disait Jordan. Le Luffy en question est super cool. Il en gear tout pour savoir, c'est pour ça qu'il a ce côté orangé. En fait, ouais. Avant l'éclipse, avant les deux ans, il développe le gear tout contre Lucci. Et là, il l'utilise. C'est une seconde transformation comme Goku en Super Saiyan. Ok, on va dire ça. Elle est très cool parce que là, du coup, il est très rouge-orange et c'est très marqué par ses muscles et ainsi que sa couleur de peau. C'est cool. Son costume est un peu plus original, on voit que c'est plus tard, il a pas son fameux gilet rouge. Ça a un peu changé. C'est bon. Le visage est très dur à avoir, ce statut, ça qui est un peu dommage. Mais... C'est ce qui a été beaucoup reproché chez beaucoup de gens qui ont été mis en précoce. C'est que justement, on a enfin Luffy en action et on a un visage spécial. Maintenant, c'est assez, mais personne ne comprend pourquoi. Justement, Infinity Studio a fait ça. Surtout que la première qu'ils ont fait, c'est Fujitora, de mémoire, son nom. C'est un de la marine samouraï. Et on voyait bien le perso, tout ça, avec son aura autour. C'était une belle pièce qu'on a malheureusement jamais mis en précommande. Mais là, pour la deuxième, ils ont présenté ça. La preuve, il n'y avait plus de suite. One Piece, il n'y a plus d'annonce. À part le mairie qui est en préco, c'est tout. Voilà. C'est vrai, c'est tout. Mais bon, super cool, l'expression faciale de Luffy est très déterminée et on voit bien qu'il vient de mettre toute sa force dedans pour taper dedans. Cet effet est marqué encore une fois par la fumée qui part de son thorax, vraiment comme si la fumée sortait de lui et qu'il était super chaud. Mais en plus, vous avez deux pointes en résine avec un début d'impact translucide qui marque vraiment ce côté où il a tapé dedans. C'est marqué par la translucidité et après par la chaleur rouge. Et ça, je trouve ça super impressionnant d'avoir bien marqué le punch qu'il a mis dans Magellan et qui a cet effet de vent, etc. Je trouve qu'ils ont bien marqué, ils ont bien rendu réaliste le moment du manga dans la statue. Moi, je trouve ça super beau. Au début, ouais, en photo, ça vendait pas du rêve. Fond noir là-dessus, c'était pas beau. Alors que là, maintenant, de la lumière, elle donne vraiment bien. Franchement, elle est super cool. Elle est sympatoche. On finit sur un socle très lourd. Très résine, avec un peu de touche de couleur pour accompagner tout ce qu'il y a autour de la statue et un fameux logo One Piece au cas où, si vous savez pas ce que vous achetez, voilà, on a toujours un. Bah,
public asiatique. Ouais, bah après ça me dérange pas. Après. Non. Des fois, s'il n'y avait pas, je me dirais ça fait un peu vide. En fait, tout dépend du socle. Quand c'est un socle qui est vraiment émergent et qui veut vraiment me faire que ça coupe une scène, c'est chiant quand il y a ça. Mais là, ils ont quand même fait un socle noir, donc il faut quand même mettre un truc dessus. Ça fait, c'est moins choquant. 1650€ le produit. Ça va encore. C'est juste. Ouais, un truc comme ça. Notre site est un peu en burn-out pour l'instant, donc du coup on a la mise à jour, elle fait mal pour l'instant. Ah, bientôt. Le nouveau site est mieux, mais l'ancien site il est un peu dur. La statue pour moi est vraiment fantastique. Mon seul regret c'est que on n'a pas une collection de moments épiques de One Piece en moment. Comment dire, les Ikigai sont cool pour Tsume, budget machin, etc. Les futurs HQS, ouais, truc de fou. Mais Shoot et Durama pareil, on s'est quand même mis 150 balles, faut pas se mentir. Mais je trouve ça dommage qu'on n'ait pas droit tous les trimestres ou tous les 6 mois un Durama où il y a Magellan et Luffy. Je prends Zoro et je sais pas quel mec qui se bat contre Luffy, je connais pas One Piece, mais tu vois des beaux trucs où on s'exprime. Ils avaient fait une statue Zoro avec un mec avec un masque de bois là. Ben, trop surchargé, c'est ça, j'aimais pas trop. Mais là, sincèrement, je serais fan de. Enfin, je prends ça pour Star Wars, m'a laissé. Des scènes emblématiques d'un film ou d'un comics où il y a quelque chose qui se passe. En fait, Ryu Studio avait commencé avec Barbe Blanche, la fameuse scène de Marineford. Super cool. Ensuite, alors on précommande Luffy Ace. Gros moment aussi dans Marineford. Bon, ouais, mais c'est ça. Le truc, c'est que trop disant, même Tsume. Ils ont fait un Barbe Blanche, malheureusement à l'actuel, je trouve qu'il est beaucoup trop vieilli. Mal vieilli, il est temps d'en faire une V2. Il y a Ace qui est sublime, qui rappelle Marineford, et ils n'ont pas clôturé Marineford. Et c'est juste ça, moi, qui me frustre. Et puis là, après, ils ont direct attaqué l'Ellipse. Okay, ouais. Et puis, un coup Wano, un coup on est dans Dressrosa, un coup on est sur Walk Against Land avec Big Mom. Et bah, du coup, tu n'as aucune connexion, aussi, des fois, très vite fait. Ouais. Et. C'est le gros problème chez tous les fabricants, je trouve, à l'heure actuelle, c'est que les connexions, je trouve, c'est soit c'est un one-shot, ou s'il y a une connexion, bah, tant pis, les connexions se démarrent. Je sais pas, bah, c'est dommage d'avoir des animés aussi puissants et de ne pas avoir plus de statues qui montrent ces moments épiques et monumentales. Bon, j'ai vu que la série Netflix pour l'instant, j'ai pas vu l'animé, j'ai pas lu, etc. Mais il y a déjà des belles scènes intéressantes où il y a Mihawk s'appelle Contre Zoro. Bah, tu sais, un beau diorama où leur épée contre épée et t'as un peu de fumée et un peu d'énergie, ça peut vraiment être impressionnant. Et je m'en parle à diorama en quart entière, mais un diorama à cette échelle-là, 7e, 8e, on n'est pas sûr, bah, ça pourrait être cool, tu vois, des petits dioramas comme avec Guts contre Zod avec Prime One. Bah, c'était bien pour une fois avoir une statue qui était à 1000-1250€ et pas du 1 tiers ou du 1 quart qui sont magnifiques. Ah. Mais des fois, je me fais écouter, monsieur, je suis pas à la place, j'ai envie d'avoir des trucs, pas tout le temps des persos muséum, des trucs qui sont vivants, où t'as Luffy qui t'a donné le cœur, où t'as Goku qui fait un Kamehameha, le diorama Goku Vegeta, c'était vivant, même si Goku Prime One était énorme, mais voilà. Je trouve que ce genre d'initiative est vraiment intéressante et moi j'aime mieux des trucs pareils parce que ça me refait vivre un moment que j'ai aimé, au détriment d'une juste statue qui est muséum, qui est belle, qui représente un personnage que j'aime bien, mais voilà. Ah, vie personnelle. Donc voilà, très belle statue, rien à dire. Le niveau finition, qualité, rapport qualité-prix est génial. Donc, comme d'habitude à chaque fois, on est trop optimiste pour les reviews, donc on va vous dire que c'est accotable ou très très bon. Voilà, et moi, et toi, et toi. C'est très bon. Magnifique. En fait, je pense qu'on devrait peut-être revoir nos bagages. C'est de la merde. C'est de la merde. D'acheter pas, c'est brûlé. Non, en fait, le truc, c'est que ça devient compliqué de dire qu'une statue est de la merde, il faut vraiment le foirer le truc. Voilà, maintenant que ça convient pas à tout le monde. Avis, couleur, machin. Ouais, bien sûr, oui, c'est très bien. Mais c'est une statue qui vous mérite d'exister. Et ceux qui l'ont, bah, franchement, je suis très content pour vous. Ceux qui ne l'ont pas et qui n'aiment pas, bah, achetez-la. Il y a déjà assez de produits pour contenter tout le monde. C'est ça, maintenant qu'on est arrivé, en fait. Avant, il y avait trop peu avant. Il y avait trop peu. Maintenant, il y a tellement. Qu'on est moins difficile. Et vous pouvez prendre ce que vous voulez. J'allais dire, vous voulez du hot toy, prenez du hot toy. Vous voulez du statue, que du Tsume, faites que du Tsume. Après, bon, malheureusement, il y a d'autres formes, je peux pas citer. Parce que... plus de sorties depuis trop d'années. Bon, on va revenir. Ouais, après, on est bâché, c'est chiant. On s'en fout. Ben voilà. En tout cas, merci à vous tous. Cette statue est disponible une toute dernière fois sur le site et en magasin. Donc, dès que vous la voulez, vous venez la chercher au magasin. On a un service Eskipé au top et les gens nous aiment beaucoup parce qu'on essaie d'être le plus proche de vous. Essaie. Vous voyez, quand vous sonnez, on vous décroche et on vous raconte pas de bavard. Quand il y a un problème, il y a un problème. Voilà. Et comme d'habitude, on est méga chaud. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.